et bienvenue sur brainculture.tv. Je suis Mad, vous êtes dans l'émission La Minute Mad et je suis là pour vous parler de livres que je trouve essentiels. Et heureusement, il n'y a pas que moi, car voici tout de suite la chronique du public. Hey, salut Mad et merci de m'avoir invité dans ton émission, d'autant que je suis pas un très grand lecteur. Pour ma part, voilà, je suis plutôt adepte des nouvelles, des scénarios de jeux de rôle, des mondes, des descriptions de mondes imaginaires ou en tout cas de descriptions de civilisations, des livres plutôt remplis de connaissances. Mais ce n'était pas suffisant pour refuser l'invitation parce que voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter la trilogie du Paris des Merveilles de Pierre Pével. Alors, qu'est-ce que c'est que cette trilogie? Pourquoi le Paris des Merveilles? Donc ça se déroule en fin du 19e, début 20e. Un personnage assez, assez rocambolesque, un magicien de surcroît, dont le nom complet est Louis Denisard Hippolyte Griffon, va être amené à enquêter sur un sombre complot visant à la destitution et au renversement de la Reine des Elfes. Le Paris des Merveilles, c'est un Paris changé, c'est un Paris tel que nous le connaissions à la Belle Époque, mais complètement métamorphosé, car le monde des hommes a finalement réussi à se rapprocher tant et tant du monde des elfes que ces deux-là ont réussi quasiment à fusionner. Dans les rues de Paris, on peut croiser des gargouilles de Notre-Dame vivantes, on peut croiser également des chats qui ont la parole, des elfes, des trolls, et tout un ensemble d'autres créatures, gobelins et autres, mais aussi la magie. Car Griffon, notre personnage principal, est un magicien qui va devoir déployer talent, ruse et également beaucoup d'intelligence pour découvrir ce qui se trame. Alors bien évidemment, il ne sera pas seul, il va avoir un certain nombre d'alliés, dont la non moins célèbre Isabelle de Saint-Gilles. C'est une trilogie vraiment incroyable, qui se lie particulièrement bien, avec des personnages très bien décrits, des environnements, un Paris extraordinaire. Pour ceux qui connaissent la capitale et qui ont eu l'occasion d'y passer leur jour ou d'y passer leurs vacances, vous y découvrirez un environnement tel que vous le connaissez, mais sublimé par bon nombre de choses. La trilogie du Paris des Merveilles de Pierre Pével. Merci Matt pour l'invitation. Merci à tous. Belle soirée. Merci beaucoup. Et moi aujourd'hui, je vais vous parler de ce petit livre bleu, La Métamorphose de Franz Kafka, qui est un très court roman, comme vous le voyez, écrit en 1912. Dedans, on y rencontre Gregor Samsa, qui est un représentant de commerce, qui vit chez ses parents, et qui, un beau matin, découvre qu'il s'est transformé, ou plutôt métamorphosé, en insecte. Alors là, c'est panique à bord, hein. Son père veut le tuer, sa mère ne sait pas du tout quoi faire, et sa sœur, même si elle est un peu dégoûtée, hein, elle essaye de l'aider. On est donc dans une situation fantastique, hein, et aussi totalement absurde, mais qui est aussi oppressante et triste à partir du moment où on s'attache à ce personnage de Grégor totalement déshumanisé. Surtout qu'en plus, hein, forcément, comme il ne va plus au boulot, il se fait virer et il n'apporte plus d'argent dans le foyer. Alors, pourquoi je vous parle de la métamorphose? J'aurais très bien pu aussi vous parler du procès de Franz Kafka, le même auteur, qui est aussi un livre indispensable, mais La Métamorphose a ceci de particulier que de par la situation totalement absurde qu'on trouve, on peut trouver une interprétation totalement différente d'une personne à une autre. Est-ce là une satire sociale? Une vengeance envers le père? Une histoire sur la solitude? Ou sur la peur de l'étrange et de l'étranger? Peut-être aussi une réflexion sur l'identité et l'apparence? Ou alors sur l'adaptation au changement? Parce que certes, Grégor s'est métamorphosé en insecte, mais sa famille aussi, elle va changer. Et puis en fin de compte, c'est peut-être tout ça à la fois, et je pense que c'est ce qui fait la force de ce texte. En plus, comme il est très court, il est direct et rude, et il nous touche d'une façon ou d'une autre. Et voilà, l'émission se termine. Si vous aussi, vous voulez participer à la chronique du public, n'hésitez pas à envoyer un petit mail juste ici. Et moi, je vous dis à bientôt.